bonne journée à tous. Un beau soleil aujourd'hui au Nouveau-Brunswick. Pourquoi ne pas parler d'amour et l'amour du français sur des textes d'Albert Belzile? La musique et l'interprétation sont d'Étienne Deschênes. La chanson s'appelle « C'est un amour ». Elle est mon premier cri de terre, mon lien de sang, mon lien de chair. Elle est mon souffle et mon chemin. Chemin de 400 printemps, semé de gloire et de tourments, longtemps chanté dans nos refrains. Refrain hérité de mon père, comme un trésor caché. La langue, elle est ma vraie fierté. C'est un amour qui s'éveille à chaque jour, comme un écho de l'histoire. Le son qui me touche et me plaît, et que je veux vivre en français. Un projet héroïque qui dépasse le temps. Tant de périls ou de victoires gravés sans foi dans nos mémoires, en ces richesses si différentes. La différence de l'Acadie qui nous identifie et nous rattache au cœur de c'est un amour qui se réveille à chaque jour, comme un écho de l'histoire, le son qui me plaît, et que je veux penser. C'est un amour. Et bienvenue à mon nouvel duo. Mon nom est Jeff Poinafèche, je suis un élève de la 5e année au centre d'apprentissage au Madraska à Claire au Nouveau-Brunswick. Nous voulons aussi saluer les personnes qui regardent notre émission de télévision à partir du site YouTube. Aujourd'hui, nous vous donnerons un nouvel duo, la météo et des informations sur la semaine de la fierté française avec Brendan T. et Alexis Couturier. Plus tard, nous aurons la chance d'accueillir la classe de maternelle. Pour l'interprétation de la trame nationale au Canada. Bonjour à tous. Cette année, nous avons l'occasion de célébrer la semaine de la fierté française et celle du patrimoine. Les enseignants ont reçu l'horaire des activités. Le slogan de l'année 2010 est « Porte-toi à l'aventure, fais-toi notre culture ». Le thème de la fête du patrimoine est « Village global ». Bonne semaine de la fierté française. Soyons fiers de notre langue. Et maintenant, voici Stéphanie Marquis avec les nouvelles de la météo. Bonjour, ici Stéphanie Marquis qui vous présente la météo. Aujourd'hui, lundi, plus 8 degrés Celsius, ensoleillé. Demain, mardi, ensoleillé, plus 10 degrés Celsius. Mercredi, 6 degrés Celsius, avec généralement ensoleillé. Merci de retour à Jeff Free à Studio. Merci Stéphanie, c'est une bonne météorologie. Nous allons maintenant passer à une vidéo publicitaire. Restez avec nous. Maman! Maman! Hugo! Il a mangé les méchants, ma fille! Sa mère! Maman, Hugo, tu finis là?
jamais! Qui m'arrive! Tu sais jamais! Ça brûlait! C'est ça, je me disais. Nous allons maintenant passer à l'entrevue avec Alexis Couturier et Brandon C. Bonjour, je m'appelle Alexis Couturier du comité du spectacle en vol et je suis en 8e année. Je suis ici pour vous parler de la semaine provinciale de la fierté française. Tout au long de la semaine, il y aura une journée bleu, blanc, rouge et jaune. La cérémonie d'ouverture, concours de dictée et d'épellation. Il y aura aussi un spectacle de talent et le jeu pyramide avec Joe et Nadeau. Un merci tout spécial aux républicaines du Club Richelieu pour les beaux cadeaux. Bonne semaine provinciale de la fierté française. Partons à l'aventure, fêtons notre culture. Bonjour à tous, ici pour le désir du comité de spectacle. Il y aura un spectacle jeudi le 18 mars 2010 au Gymnase à 8h30. Vous êtes tous invités. Merci de m'avoir écouté et passez une belle journée. Nous vous demandons maintenant de vous lever pour l'interprétation de l'hymne national au Canada par la classe de maternelle. Fin de notre émission pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir écoutés en direct de CHM TV. Je ne sais pas mon enfant qui vous dit merci et à la prochaine.